Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon. Je vais un peu tirer les oreilles de certaines personnes aujourd'hui. Et la première chose que j'ai à dire, c'est si vous voulez changer de niveau, malheureusement pour vous, vous ne pouvez pas accepter les mêmes choses qu'on vous faisait avant. Vous ne pouvez pas tolérer les mêmes personnes autour de vous. Je suis arrivé à un niveau, aujourd'hui là, je suis pissed off, like, you know, I'm fed up. Les gens vont continuer de vous prendre pour acquis. Tant que vous allez, je ne sais pas comment je peux dire, vous allez jouer les softs. Est-ce que vous connaissez le cœur qu'il faut pour pouvoir monter de niveau financier? Est-ce que vous connaissez même? Est-ce que vous connaissez le cœur qu'il faut pour changer ses revenus? Est-ce que vous connaissez le cœur qu'il faut, pas seulement pour monter, mais se maintenir? Quelqu'un va venir dans ton magasin. Il vient, il s'attend à recevoir un service de toi. Hein. Il n'apporte pas l'argent. Il vient, il dit... Mais je te connais, non? Je dis, mais attends un peu. Tu crois que mon bailleur me connaît? Tu crois que mon bailleur me connaît? Et chacun dans votre environnement va vouloir tirer vers son côté. Ouais, telle personne ne fait pas bien. Ouais, vouloir dénigrer. Ce qui fait que si tu n'es pas attentif, surtout quand tu gères une entreprise, tu dois être toujours, même dans la nuit, tu vas te réveiller en sursaut pour dire, comment on dit, tu dois être toujours sur tes gardes. Et à un moment, les gens vont vous prendre pour acquis. Ah non, je connais comment il va réagir. S'il prend son argent, il ne va rien faire. Ah, touche à mon argent, tu vas te retrouver en cellule. En te rendant compte que tu es en cellule. Que tu as passé même un mois. On est habitué à dire que vous êtes soft, non? Quelqu'un prend ton argent, il prend ton argent, après il disparaît. Tu découvres que quelqu'un a bloqué ton enfant, après tu ris avec lui. Vous riez quoi? Tu découvres que quelqu'un a voulu gâter ton mariage. Vous riez quoi? Même si tu es mon oncle, tu es ma tante. Vous riez, on parle encore quoi? On dit encore quoi ensemble? Je pense qu'à un moment, il faut un peu qu'on arrête. Et votre talon d'Achille, c'est votre famille. Ou bien toute personne qui vous a aidé à une époque et a cru que, non, moi, il peut... Non. Mm-mm. Tu me connaissais, c'est l'ancienne personne. Parce que la femme que j'étais n'est plus. Je suis en train de partir quelque part. Bonjour, Nathalie. Ils vont vous prendre pour qui? Ils vont vous prendre pour qui? Non, mais non, elle n'est pas rigoureuse. Ne t'inquiète pas. On va venir voler tes choses. On perd tes choses, on gâte. On ne sait pas que tu as acheté avec l'argent. Vous devez changer votre mentalité avec vos choses. Te voilà avec le père de tes enfants. Tu le supplies depuis. Tu supplies seulement un peu. Ouais, pardon, je peux voir les enfants. Écoute, ma chérie, avant que tu n'avais pas l'argent. Avant que tu n'avais pas l'argent, quand tu as accouché, ça fait 15 ans là, tu étais pauvre, il te marchait dessus. Aujourd'hui, tu ne lui demandes plus rien. Donc, la fait que... il y a cette mentalité que les femmes ont souvent. Parce que, malheureusement, tu vois, quand tu... les années où tu es en train d'accoucher, tu es à la maison. Tu es à la maison. Donc, on peut dire qu'en quelque sorte que tu n'as pas l'argent. Tu ne peux pas travailler. Comme tu ne travailles pas et que c'est lui qui peut travailler, il sort, il part chaque jour, tu as l'impression que sans lui, tu n'as pas de futur. Sans lui, tes enfants n'ont pas de futur. C'est comme ça que tu te retrouves coincé dans un tourbillon. Le gars te fait le chantage tout le temps. Tu es là, tu acceptes. Il te fait chanter tout le temps, tu acceptes. Ah, mes enfants vont faire comment sans paix? Moi, il faut faire que mes enfants soient sans paix. Donner le respect à des gens qui ne méritent pas. C'est pas tout le monde qui mérite mon respect, moi. Oui, je m'en fous de vous.
Et toute personne qui est pauvre, ne passez pas au Cameroun. Ne venez pas me voir. Si vous avez la pauvreté, restez votre pauvreté chez vous. Et ne pensez pas que vous pouvez me manipuler avec l'argent. Ni avec vos cadeaux. J'en ai rien à foutre. Il me manque pas si vous m'achetez quelque chose, m'achète. Tu fais quoi? Hein? Je vais sortir avec ça tout à l'heure, donc mets dehors. Je vais sortir avec, ouais. Je m'assois ce matin, j'ai dit, mais attends un peu. J'ai des trucs que je veux faire, mais je suis en train d'hésiter. Parce qu'elle demande l'autorisation, elle demande la permission. Tu en penses quoi? Qu'est-ce que la personne là va dire? Les gens seront toujours confortables que vous soyez là où ils vous ont vu avant, là où ils vous ont laissé. Il y a des gens parmi votre entourage qu'avant vous leur demandiez l'argent. Aujourd'hui, ça fait un an qu'ils n'ont pas entendu le téléphone sonner que vous avez demandé l'argent. Quelqu'un, tu es arrivé en Europe, tu as demandé fatigué que donne-moi les papiers, donne-moi les papiers, donne-moi les papiers. Aujourd'hui, tu n'appelles plus. Hey, vas-y, comment tu voyages? Hey, elle a les papiers maintenant. Hein? Elle a les papiers, elle a créé son entreprise. Elle ne demande plus ton argent, elle ne demande plus tes papiers. Mais toi, en fait, tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. Tu ne sais pas que tu as évolué. Tu es entouré de Decepticons. La dernière chose que vous voulez, c'est qu'on vous prenne pour acquis. La dernière chose que tu veux, c'est qu'on t'anticipe. Ah, mais elle, elle la connaît. Quand elle n'a rien à faire, il t'écrit. Tu m'écris pourquoi? Tu m'écris à 20h, 21h, 22h. On se connaît où? Tu m'écris, on se connaît. Tu m'écris, je vois ton message, il ne répond pas. Oui. On va rire les nonsense. On rit quoi ensemble? Les gens vous connaissaient depuis 5 ans, vous étiez piéton. L'affaire est finie. Depuis 8 mois, tu n'es plus piéton. Tu as ton chauffeur, tu as ta maison, tu as tes maisons. Parce que souvent là, il y a un truc là-dedans qui fait que ce sont les mêmes personnes là qui vous maintiennent en bas. Et ne pensez pas que ces personnes-là sont contentes si vous avancez. J'ai passé mon temps à te demander l'argent de ceci. Achète-moi la voiture. Achète-moi la voiture. Tu t'es rendu compte que j'ai déjà acheté. Et j'ai acheté mon argent. J'ai acheté mon argent. Ce n'est même pas que... C'est mon argent. On ne m'a pas donné. C'est mon argent. Mais attends un peu, je regarde comme ça, je vois 2, 3, 4 personnes dans mon entourage. Quand on veut m'endormir, je ne peux pas dormir. Non, arrêtez. Je ne peux pas m'amadouer. Impossible. Quelqu'un va venir te donner un cadeau pour te raconter toute sa vie pendant 2 heures de temps. J'en ai rien à foutre de ta vie, moi. Je mets les vidéos, tu n'écoutes pas. Tu écoutes même, c'est comme si tu écoutes avec les oreilles penchées. Non, il faut que tu comprennes ma vie, il faut que tu comprennes ma part, il faut que tu... Non, mais arrêtez. Il y a des gens dans votre environnement, vous devez les couper. Il y a des gens que vous attendez l'autorisation, que vous n'avez pas besoin d'eux. Arrêtez le lèche-botte, arrêtez. Tout ce que j'ai eu dans ma vie, c'est que j'étais fatiguée d'attendre les gens. Je me suis rendu compte que, mais attends un peu, même troisième femme, il ne va pas te prendre. Tu attends quoi? Va te chercher. Lance ton entreprise. Fais tes choses, fais tes affaires. Fais tes affaires. Il y a même les gens que vous prenez leurs conseils. Vous prenez leurs conseils. Vieille Seigneur Jésus, l'autre là, alors. Quelqu'un ne connaît pas comment un truc fonctionne. Il vient te conseiller sur ça. Tu écoutes ça, pas que tu écoutes quoi. Et si on est géré une entreprise, même s'il a fait dans ce dans quoi tu veux faire. Non, il avait du succès avant. Hein. Il avait... Oh non. Non, je suis impressionné par ton succès. C'est ce que tu as fait que je veux voir. Tu as déjà fait quoi, les gens ont confirmé? Je veux voir. Et ton succès, je dois voir ça dans les 4 derniers mois. Même les 30 derniers jours. Pas de trucs que j'ai construit la maison en 1983. J'en ai rien à faire. 1983, quoi. Vasti, continue à attendre les gens, tu as compris? Tu vas rester dans ta pauvreté. Tu vas rester dans ta pauvreté. Même vos pasteurs là, vos gens là. Et suivre, écoutez, hein, vous m'écoutez là. Il y a certains de mes enfants spirituels là qui veulent vous bloquer. Tu vas m'écrire, mon numéro ne va plus passer. Donc arrêtez, je ne suis pas votre.
Tu vas m'écrire, tu vas voir que le message est non, lui-même pas arrivé. Parce que ça, c'est de vous. Tous, vous êtes tous hypocrites. Hypocrites. On ne me corrompt pas. Hein. Et ta vérité, je te dis cash. Ça te plaît pas, tu pars. Porte tes choses que tu as portées, tu pars avec. À Kandou, baisse dans date. Il y a des gens que quand tu avais 23 ans, ils t'aidaient. Aujourd'hui, tu as 38 ans. Ma chérie, mon frère, tu as déjà évolué. Et je vous ai toujours dit, ne soyez pas l'esclave de quelqu'un. Tu ne m'apportes rien, je t'enlève de ma vie. Point à la ligne. Tu viens, tu dis que tu veux m'apporter en apportant tes fausses énergies, tes problèmes, je t'enlève de ma vie. Parce que si ça ne vient pas par toi, ça va venir par une autre personne. Ta vie s'arrête quand tu commences à croire que quelqu'un, c'est ta seule option. Si la personne mourait, tu faisais comment? Si le père de ton enfant meurt, ton enfant va rester avec toi, non? N'est-ce pas? Même si c'est le tapioca, tu vas manger avec l'enfant là, non? Voilà. Arrête de dire que l'enfant va rester avec son père, parce que son père a l'argent. Mouf. L'enfant va rester avec son père a l'argent, non? Il y en a parmi vous, les pères de vos enfants vous ont fait le chantage comme ça. Comme il est parti en bain, toi tu restes au pays. Il dit que tu veux que je m'occupe de l'enfant, envoie l'enfant chez ma mère. Te voilà en couture, tu portes l'enfant. Tu envoies chez la mère. Chaque jour, tu vois comment on menace l'enfant. Hein. Tu vois comment l'enfant n'est pas bien là-bas. Ah, si je prends l'enfant, il va arrêter de payer ceci. Qu'il arrête. Qu'il arrête. Si vous mourrez, mourrez alors. Comme il a arrêté de payer là, si tu meurs, tu meurs, on t'enterre, non. On n'enterre pas les gens. Les gens meurent chaque jour, on les enterre. Quelqu'un va venir te dire, et les anciens, quand tu n'as pas la politique de tes moyens, pour moi, c'est le feu rouge là-bas. Quelqu'un vient te parler, quand tu vas dire, faisons alors, la personne a disparu, une pian. Ah non, je connais, ah non, je faisais, oui, non, pas comme ça, fais comme ça. Ok, allons, allons, fais. Soit l'argent, pas fait. Vous allez là, vous vivez avec des maris qui ne sont plus vos maris depuis 3 ans. Vous faites seulement la plaque de présence dans la chambre. Vous vous couchez sur le même lit. Tu veux lancer ton business, il refuse. Tu vas même te laver au sel, tu vas te cacher. Même te laver là, il refuse. Continue, non? Continue, comment on va vous forcer là? Continue. Continue. Merci pour ton témoignage. Vous faites souvent des choses que je ne veux même pas vous m'énerver. Vous aimez les pages où vous arrivez, on vous supplie. Que ouais, venez, abonnez-vous. Ouais. Ouais. Si ce que je t'ai dit ici, là, ça ne t'aide pas, quitte-tu pas. Il est temps qu'on arrête parce que vous aimez trop ça. Vous aimez combien le gars vient pas venir te raconter des beaux trucs. Après, il va te, et là, toi, te tromper. Hein? Vous aimez les belles paroles. Vous n'aimez pas la vérité. Ma chérie, tu es pauvre parce que tu es paresseuse. On t'a donné combien d'opportunités tu as dormi sur ça? Arrêtez d'avoir peur des gens. Père de ton enfant, père de ceci, on s'en fout. Si le père de ton enfant mourait, tu t'occuperais de ton enfant. Il a refusé de s'occuper de l'enfant. Arrête de l'appeler. Arrêtez vos trucs là. Chaque fois que tu l'appelles, tu l'as encore te rappeler comment tu le suppliais. L'enfant a déjà 15 ans aujourd'hui. Tu as passé 15 ans de ta vie à supplier l'homme là. Don't be tired. Je vous dis qu'il y a les gens autour de vous que vous devez arrêter. La personne écrit, tu ne réponds plus.
Comment est ton énergie quand la personne là te parle? Est-ce que la personne là t'encourage? Vous n'avez pas confiance en vous, hein? Moi là, même si tout le monde tourne, moi pas, je suis là. Je suis là. Pardon, laisse ça, tu conduis pas, tu vas faire après, ça fait du bruit. Genre, on voudrait venir vous montrer comment gérer votre vie, votre entreprise. Tu supplies le père de tes enfants chaque année. Voilà la rentrée. Tu te prépares comment tu vas le supplier. C'est ça qui fait qu'on te met là où tu es chaque jour. On te parle de la même façon. Non, fatiguez-vous. Hein, fatiguez-vous. Tu arrives à un niveau où tu es fatigué. Tu es fatigué. Jésus a dit que détruisez ce temple, je le construis en 3 jours. Jésus avait confiance en sa capacité à construire, à reconstruire n'importe quoi. Quand tu connais ce qui t'a amené là où tu es, même si tous les gens de ta vie partent, ne vous dérangez pas, donnez-moi encore quelques jours, je vais reconstruire. Vous devez avoir confiance en vos capacités. Vous avez les gens, vous avez commencé ce que vous faites avec eux. Actuellement, ils sont en train de bloquer votre activité. Ils sont en train de vous bloquer. Ah, si je le laisse, je vais faire comment? Ah, je peux pas. Ah, je vais faire comment? C'est lui qui me donne un peu même d'argent, non? Ouais. Je vais faire comment? Si la personne te met à la porte aujourd'hui, tu fais comment? Tu te cherches, non? Apprenez à quitter la scène avant que la scène ne vous quitte. Quittez la scène avant que la scène ne vous quitte. Quand je veux prendre une décision radicale, je dis toujours, si le boulot où je veux rester là, s'il m'appelle aujourd'hui, ils disent que madame, on t'a renvoyé. Je vais rentrer à la maison pleurer, non? Mais le boulot là sera fini. Si on me traite mal là-bas, ça m'empêche de pouvoir faire mes beignets, pouvoir nous faire ma propre entreprise. Pourquoi tu ne te décides pas, tu quittes là, tu ne peux pas mettre ta lettre de démission? Si tu as un accident demain et que tu ne peux plus partir, est-ce que l'entreprise là va fermer pour toi? Vous laissez trop les gens vous monter dessus. Ah, elle là, non, si on fait n'importe comment, elle sera là. Elle sera là, t'inquiète pas. Jocelyne, elle sera toujours là. Ma reine, est-ce que je peux te payer dans 3 mois? Ouais, donne-moi les produits. Non, je vais te payer. Tu n'as pas l'argent des produits, ne m'écris même pas. Tu n'as pas l'argent pour la consultation, ne m'écris pas. Regarde mes vidéos, comme tu vois là, c'est tout. Parce que l'énergie qu'elle pouvait dépenser sur toi là, ça pourrait rester. Je pourrais rester en ça, j'ai l'inspiration pour faire un autre direct. Je parle, ça aide 5000 personnes. Tant que tu ne durcis pas ton cœur pour certaines choses, tu vas rester là où tu es. Écoutez, moi, vous dis-moi mes choses. Tu vas rester, donc, dans 6 mois, tu seras là-bas. Dans 6 ans, tu seras là-bas. On va te traiter de la même façon. Quand une idée entre dans ta tête, que laisse tout ça, pas. Fais comme ça, là. Crée ta propre entreprise, non. Et je vais faire comment? Va créer l'entreprise. On vous donne les principes spirituels. Vous n'apprenez pas. On dit principe spirituel, paie la dîme, fais tes lavages, fais sacrifice, fais les offrandes, va. Non, est-ce que tu veux faire? Et travaille. Sors de l'endroit où tu es là, tu te donnes 30 jours. Parce que de toutes les façons, on allait te payer dans 30 jours. Dis que les 30 jours, si là, je vais me bosser chaque jour. Et je dois avoir un salaire quotidiennement. Tu vas voir que tes pensées vont changer. Mais si on a déjà fini, j'étais là à 8h, il est 17h, est-ce que je peux rentrer? Mentalité des employés.
Et si tu aides ton patron à avoir de l'argent chaque jour, ne t'inquiète pas. Le jour où tu dis que tu pars, il va augmenter ton salaire. Parce qu'il sait qu'il a besoin de toi. Les gens, quand on vous paye, maman est fâchée. Qu'ils te donnent même les 100 000, si tu as même fait quoi? Elle a même fait quoi? Oui, paresseux. Chaque fois que le père de tes enfants te drague encore, alors qu'il est marié, il t'a quitté. Il t'a quitté. Il t'a abandonné. Tu as dit, ouais, ouais. Non. Il va t'épouser une autre femme. Quand tout ton moral est seulement sur lui. Tu ne sors pas pour aller travailler. Chaque mois, tu le supplies que donne l'argent des enfants. Tu es bête. Yolande, aimée, je vais te bloquer. Ne te dérange pas. Tu es déjà dans mon collimateur. Ce n'est pas tout le monde qui a le courage d'entreprendre. Reste dans ta situation, non? Quitte-moi de ma page. C'est moi, j'ai un souci. Reste dans ta situation. Continue à supplier les gens. Continue à supplier. Pourquoi quand même l'entrepreneuriat est facile? 4h23 heures. Et tu ne demandes rien à personne. Oh, l'indépendance est sucrée. De pouvoir te lever comme ça, quelqu'un te fait, tu dis c'est bon. Avant qu'elle décide d'acheter la voiture, on m'avait trop manqué de respect. Ok. J'avais l'argent, je pouvais acheter, mais je me disais toujours, bon, voilà, mon bureau et ma maison sont côte à côte. C'était dans le même immeuble. Bureau devant, maison derrière, j'ai pas besoin de voiture. Ah ah. Manque de respect, manque de respect. Souvent, tu veux même prendre le taxi, même trouver le taxi pour stopper dans la rue où j'étais là, c'était une, tu ne trouvais pas. Il dit que non, 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 non. C'est bon. Ouais, dépose-moi en haut là-bas, non. Tant que tu es confortable avec ta situation, tu ne peux pas te bouger. Mon patron, demain tu es encore au bureau. Bonjour monsieur, oui patron. Alors que tu te plaignais de lui hier. L'indépendance est, Seigneur, si ça se donnait, je vous donnerai, vous goûter un peu. Après vous me remettez bien sûr. Vous ne voulez pas réfléchir. Vous ne voulez pas penser. Même pour faire tes projets, peu importe le projet qui est dans ta tête, tu as la capacité. Écoutez bien. Il y a des gens qui connaissent les systèmes de réunion et où peuvent vous amener. En 2-3 mois, on te donne même le prêt de 7 millions, tu lances ton activité. Mais le père de tes enfants, là, il préfère que tu viennes toujours lui demander quelques dollars, pardon, donne-moi même 1 million pour rebooster mon activité, non. Il va te donner les 1 million là qu'à l'hôtel. Parce qu'il ne peut pas te montrer, là, on va te rendre indépendant. Cherche toi-même. Cherche. Il y a les banques dans lesquelles tu peux aller commencer. Tu fais tes versements. L'argent, le revenu quotidien, tu peux verser dedans. Tu retires, tu verses, tu retires. Tourne ton compte toi-même. Sois gentil avec le manager. Souvent, en partant là-bas, tu lui apportes les oranges. Souvent, tu lui apportes la bouteille d'arachide. Bonjour, monsieur. Tu tournes le compte là. Quelqu'un veut te payer, tu dis verser là mon compte. Un jour, tu vas dire que, ouais, monsieur le banquier, voilà, tu prends le rendez-vous, tu pars, tu demandes. Qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse demander un crédit ici? D'accord, il faut ça, ça, ça. On te dit tout. Prépare-toi. Tout, c'est la préparation. Il y a des époques où j'avais des. Je m'appelle, l'année passée, hein, toutes mes choses sont exposées quand ça fait seulement 8 mois, 9 mois. Je devais prendre, j'avais besoin du crédit. C'était même pas beaucoup d'argent qu'elle voulait. Pour faire quoi là, je ne sais même pas. Je voulais ouvrir l'école de vacances des enfants. J'avais besoin de louer le local, d'aménager, nanana. Oh my gosh.
Moi, mon terrain, je te donne mon terrain pour la garantie. Pourquoi? Nigne. Moi, ma voiture, j'ai acheté ma voiture à 8 millions. Moi, papa, moi, te donner ma carte grise. Moi. Je pouvais t'avaliser, mais tu sais, moi, j'ai déjà d'autres crédits que j'ai pris. Moi, il n'y a pas. Qu'est-ce que j'ai pas entendu ici dehors? Chaque fois qu'on m'a dit non, chaque fois qu'on m'a dit non, ça m'a donné le courage. Ok. Si tu as la trado, tu n'as pas fait le miracle. Tu n'as pas fait le miracle. Tu prends le nom, tu manges. C'est à n'importe quoi qui me bloque. Parce que, écoutez, beaucoup d'entre vous là, votre argent est déjà là. Votre argent est là. Après, c'est ta propre peur qui bloque ton argent. Je vous dis les prières, c'est là que parlez, priez sur vous. Vous ne savez pas que votre prière là, ça chasse les démons. Non, elle va dormir. Paresseuse comme tout. Dors, non, mamie. Tu as compris? Dors. N'importe quoi. Faut dormir. Enfin, on te guette. Ah, elle marche encore à pied, non? Elle marche à pied, non? Ah oui, viens prendre l'argent de la rentrée. Viens à l'hôtel. Oui, oui, viens à la falaise. Tu arrives là-bas. Ah oui, demande à la réception. Chambre 502. Ah, c'est encore quoi, ça? Oui, j'ai les problèmes avec ma femme. Tu vois. Quand tu m'as quitté, ça fait 8 ans. Qu'est-ce que je t'avais dit? Non, mais tu sais, non, chérie, tu sais, je t'aime encore. Je t'aime encore. Voilà nos enfants. Tu vois, moi, je m'occupe de nos enfants. Oui, voilà 500 000. Et les 500 000, là, ça va, je paye seulement la pension. C'est toi encore la femme qui doit te casser pour payer les cartables, payer les fournitures, nourrir les enfants chaque semaine. Écoute, septembre aussi, que ton téléphone ne le compose pas son numéro. On ne force pas quelqu'un à s'occuper de son enfant. Il veut, il fait, il veut pas, il laisse. L'enfant, il n'y a pas encore vu un enfant qui est mort parce que son père n'a pas envoyé l'argent pour s'occuper de lui. Ou sa mère. C'est l'enfant de Dieu. Que tu n'as pas et que tu es dans le besoin, toute tâche dans votre entreprise, vous devez savoir faire cette tâche. Tout, c'est la décision dans la tête. On te dit que tu ne peux pas, que c'est impossible, non. Rentre à la maison, tu dis comment est-ce que je peux faire pour que la chose ci soit possible. C'est tout ce que tu laisses dans ta tête la nuit là. Comment faire pour que ce soit possible? C'est tout. Laisse ça mijoter dans ta tête, tu vas voir. Laisse la pensée là dans ta tête, tu vas voir. La journée là, tu vas tomber sur quelqu'un qui va dire, mais je cherchais une femme qui fait les services que tu as. Mais ça fait déjà 6 mois, je cherchais. Parce que tu as déterminé dans ta tête que je vais arriver. Il vous guette, non? Il regarde tes statuts. Les gens là regardent tes statuts. Ils sont sur ta page. Tu vois, quand il te disait qu'il t'aime, il t'aime, il t'aime là, il t'aime, ça veut dire quoi? Quand il dit qu'il t'aime, après, quand il te voit, tu commences à évoluer là. C'est là que tu vas voir le vrai amour. C'est là.
suis fed up. Fed up. La grâce doit comprendre que Dieu te donnera toujours ce dont tu as besoin. Tu as l'enfant. Si Dieu t'a donné 10 euros aujourd'hui ou 3000, dis-toi que j'ai assez pour aujourd'hui. Parce que vous êtes toujours avec l'esprit du manque. Que si j'avais, qui peut m'aider? Ouais, qui peut m'aider? J'ai eu toutes les saisons. Et ce que je vous dis, j'ai traversé tout ça. J'ai eu toutes les saisons en m'occupant de ma fille. J'ai les saisons où on a dormi sans lumière. En Angleterre, avec le froid. Donc même le chauffage, je n'avais pas. Où je l'ai emballé dans 3 couvertures. Que, ah, dans la nuit, si le froid fait n'importe comment, peut-être elle meurt d'abord avant que l'enfant s'apprend l'enfant ici. J'arrive à la machine, mon dernier 20 pounds qu'il y avait dedans. Le dernier début, tu avais pris ça. Tu vois, tu sais que la lumière est finie à la maison, tu vas aller recharger. Le temps là, les Camerounais ne chargeaient pas encore la lumière. C'est maintenant que vous connaissez les recharges de lumière. J'arrive à la machine, je mets la carte. On dit que decline, decline. Je dis merci. Bon, pour la nourriture, on peut gérer quand même. Pas de lumière, pas de chauffage à la maison. Je me suis mis devant le cash machine. J'ai tendu la main comme ça. La prochaine, quand elle est passée, j'ai supplié que, ouais, pardon, donnez-moi un peu, même si un pan. J'ai fait ça à 2 personnes. Après, il dit que merci. Je suis en train de mendier. Wonderful. C'était en 2013. J'ai tiré la main de l'enfant et j'ai pas ton enfant à la maison. Ma fille avait devoir avoir 4 ans et demi comme ça là. Et là, on me parlait dans la couverture. Et je me rappelle quand elle dormait, je ne dormais pas. Je suis restée comme ça. Elle dit que ça, c'est le plus bas. Ça, c'est mon fond. This is my bottom. Et surtout, tu ne dois accuser personne dans ta tête. Personne ne me doit rien. Même pas mon père. Personne ne me doit rien. Tu ne me dois pas. Tu n'es pas obligé de t'occuper de moi. Tu n'es pas obligé de me donner l'argent. Mais je suis obligé de m'occuper de moi. I must take care of myself. I must. Tu sauras que si tu tombes dans n'importe quel trou, tu vas sortir. Moi, c'est là. Je suis tombé tellement de fois et me suis relevé tellement de fois que je connais que je suis en ressort. J'ai le ressort sur les pieds. Dès que je touche le fond comme ça, là, boum, je remonte. Ça ne dure plus qu'une seconde. Je ne tombe plus, on reste plus un mois dans le sol. 6 mois, 6 ans. Non. Dès que mes pieds touchent comme ça, là, le temps qu'elle me rende compte que ah, c'était le fond, je suis à remonter. Il y a le ressort sur mes pieds. Ouais. Vous devez développer un mental que vous n'avez pas peur d'une situation. Parce que ce qui vous bloque et ça bloque votre argent, c'est la peur. Ah, s'il ne paye, et s'il ne paye pas, je vais faire comment? Hey, et si, ah, et si, ah, qu'est-ce que les gens vont se moquer de moi?